Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quand j'ai des questionnements, dès le matin, je me pose la question. Donc, je me suis dit que ça allait peut-être intéresser d'autres. Pourquoi nous nous sommes réveillés cette nuit? À qui ça parlera? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a réveillés à 3h30, 4h, entre 3 et 4h, 3 et 5, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est venu nous réveiller? Allez, c'est parti. Ça va être très court et très précis. Hop. On me parle d'un besoin de prendre de la hauteur dans une situation certainement familiale, dans un foyer, dans un lieu de vie. Et peut-être planifier quelque chose qui doit se dérouler ici. Et maintenant, une réunion, une convocation, un rendez-vous, quelque chose. Est-ce que c'est un rendez-vous pour changer de lieu de vie? Est-ce que c'est un déménagement, une vente de maison? Qu'est-ce qui vous perturbe? Est-ce qu'on peut nous en dire plus avec l'aura de la triade? Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? On y va, hein? Moi, je veux bien savoir. Effectivement, j'ai des pensées de déménagement, mais j'ai rien de planifié encore. Allez, qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? On nous parle de distance, voyage, déplacement. Quelque chose que vous entreprenez ou que vous avez envie d'entreprendre, ça vous réveille. Pourquoi faire ce déplacement? Allez, la triade. On parle d'émotion, de vase communicant là. Peut-être sur un lien avec une personne, quelqu'un que vous aimez profondément, en secret, qui vous réveille. C'est quoi cette distance? Un coup de foudre. Foudre karmique. Il y a peut-être besoin de régler un conflit avec quelqu'un. Regardez cette arme. Ou peut-être que c'est quelque chose qui vous maintient en dualité. Regardez comment ça vous parle. Moi, je sais de quoi ça me parle pour moi. Maintenant, à vous de voir comment vous pouvez l'adapter pour vous. En tout cas, il y a quelque chose autour de la maison, du foyer.